s'autoproclame le mec le plus dur à cuire du rock? Si. Mike a entendu parler de la soudaine métamorphose de Morrissey. Passé du stade de pissenlit humain chantant chez les Smiths à celui nettement plus viril de mordu de boxe sur son dernier album Sospa Grammar. Histoire de se mettre en jambes pour les combats à venir, Morrissey a récemment bandé ses muscles pour signer Force Autographe et serrer moult paluches à la Fnac de Paris. Il a rencontré ses fans. Cette petite vénarde embrasse son héros, mais ne vous laissez pas abuser par ses tendres démonstrations. Et regardez plutôt Momo qui s'apprête à terroriser un couple marié dans un pub britannique, histoire de potentialiser au maximum sa nature offensive. Ici, une autre petite vénarde écope d'un bisou consolateur de Momo qu'il a récemment rétamé au bras de fer. Oh, hé, t'as renversé ma bière, toi? Demande Momo à cet adolescent terrifié. Le voici imprimant sa griffe indélébile sur une fan tremblante. I came from the United States, from Boston. Okay, you're on holiday, yeah? Oh, came especially. I came especially to see Morrissey. Yes. Okay, that's a long journey. Yes. Worth every mile, yeah. And so now you're not, you know, watch yourself for a while. I'm going to have a tattoo then. You're going to have a tattoo? Yes. Okay. I'm not the first to do so, I'm sure I won't be the last. So. Tandis que Momo zone dans un parking voisin en cherchant un mauvais coup à faire ou quelqu'un à frapper, nous décidons prudemment de nous entretenir plutôt avec une fan de Détroit, persuadée que c'est bien lui le champion. How long have you been following Morrissey? Oh, years. It's over 5 years. I mean, it's been years. I can't even remember. I mean, I always listen to him. So he must remember you each time he sees you. Oh, I don't know. I would hope so. I don't know, though. I wish. N'empêche, Momo pourra bientôt arrêter de chercher un challenger, car nous sommes en mesure de vous révéler que le combat le plus mouse depuis Tyson et McNeely, autrement dit Mike Muir contre Morrissey, se prépare au moment même où nous parlons. If they want to do a charity thing where they put money in and he gets to pick a charity and I'll pick a charity where the winner goes to.